Le cadre de réflexion et d'action démocratique se dote pour sa part d'un siège pour mieux tenir leurs rencontres et leurs concertations. L'inauguration du siège a mobilisé les militants et sympathisants de ce mouvement politique qui rassemble des jeunes. Claudine Bigaba. Le mouvement politique cadre de réflexion et d'action démocratique cadre a enfin son siège. L'inauguration de ce nouveau cadre de rencontre des membres et sympathisants du mouvement a réuni ce monde dans un lieu où se mèneront désormais des débats et des concertations. Un mouvement sérieux doit effectivement avoir un endroit où effectivement se rencontrer avec ses militants, éventuellement avec tous ceux qui désirent effectivement avoir des aspirations au niveau de ce mouvement. Voilà pourquoi nous avons tenu effectivement à avoir ce lieu de rencontre, de formation surtout, de formation politique pour tous les jeunes qui veulent réellement s'engager au développement de notre pays. Le secrétaire exécutif national s'est prononcé sur la situation sociopolitique actuelle du pays. Il faudra que le débat national, nous l'avons dit ce matin, soit recadré dans toute sa profondeur et analysé sérieusement parce que les dangers qui nous guettent en 2015 sont très sérieux. Et donc, on n'est pas ici là ce matin pour divertir les gens. Il faut une mobilisation consciente et verticale. Et pour ça, il faut une élévation politique et idéologique des militants et de la jeunesse burkinabé pour engager le vrai combat dans les jours à venir. Les discours du mouvement et la visite des locaux ont été au menu de cette inauguration. Le cadre existe depuis 2008 et est implanté notamment dans les communes de Dédougou, Tenkodogo, Toma, Yaba, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou.